ces écritures aussi incroyables. Alors, tellement soignées. Est-ce comment écrivent les enfants de 10 ans aujourd'hui? Je ne sais pas. Je pense aussi bien, mais pas à la plume, à mon avis. Ben oui. On dirait absolument pas un enfant de 10 ans qui écrit. Non, mais c'est génial. On a ramené la valise avec peine. Grand-père supposait des cailloux dedans. Moi, ce que j'aime le mieux, c'est les lettres où il parle. Il dit qu'il est allé aider grand-père à planter ses oignons. Et ça, c'était vraiment bien. Ça, c'était vraiment bien. Mais son grand-père, il vivait avec son grand-père parce qu'il revient tout le temps dans les lettres. Ah oui, son grand-père comptait beaucoup pour lui. Repas, c'est tout. Oh, c'est génial. Nous avons fait du cidre hier matin. De quoi se rafraîchir une quinzaine de jours. Depuis, nous sommes allés faire un tour à Jarry, auprès de Duguay. C'est tout. Repas, point. Nous avons reçu une lettre de mon oncle Léon qui disait à grand-père de donner les étrennes à André, Marius et moi. Nous avons reçu chacun 30... Grand-père et grand-mère m'ont également donné 30 francs. De ce fait, j'ai 100 francs plus 7 sous de papa et les 2 sous de grand-père pour le couteau. Nous avons toujours les mêmes soldats. J'ai arrivé à faire les mots croisés aujourd'hui sur l'éclaireur. Je suis retournée au catéchisme aujourd'hui, j'ai eu 10. Toi aussi, tu as eu 10 ? Non, c'était celle que j'ai, celle que j'ai lue tout à l'heure. Je suis retournée au catéchisme aujourd'hui. J'ai eu 10. Dans 8 jours, nous allons passer un examen. Il y a une belle crèche à l'église. Le jeudi que j'ai manqué, les élèves ont reçu un pain d'épices. Oh, elle écrit drôlement bien. Hein. Ouais. Ils t'offrent également leurs meilleurs vœux de santé et d'heureuses années pour 1940. C'est incroyable. Oh, livre. C'est bien, hein. Mais là, c'est pas si facile que ça à lire. Hein. Ouais, c'est une écriture. Et puis en plus, surtout quand t'es en allemand. C'est en allemand? Ah, c'est en allemand? Non, pas tout. À l'école, nous avons maintenant fait 2 compositions, celle de calcul et celle d'orthographe. Au calcul, il y avait 5 questions et 1 problème. J'ai bon à 4 questions et aux 3/4 du problème. Je ne sais pas ma note. La dictée était longue. Comme il n'y a pas de très bon en orthographe, je crois pouvoir avoir le meilleur résultat. Ah, un bon esprit de compétition. Déjà, ça commence. Enfin, on verra. J'espère que je réussirai à arriver dans les 5 premiers. Oh là là. Au catéchisme, je suis le premier. C'est drôle. Avec Jean Duruy, 57 points sur 60. Nous sommes affichés sur la porte de l'église. Incroyable. Ce mois-ci, pour commencer, j'ai 3 10 sur 3 fois. Nous avons une cuisine dans l'écurie. Et à cette cuisine, il y a un curé qui a dit la messe le dimanche avant la Toussaint. Et à la Toussaint, à la place du doyen, qui avait des messes à dire. Et qui donc était à Gibron. Je dois aller communier jeudi. Je vais toujours au salut. C'est trop mignon. Mais du coup, il était chez ses... Depuis 2 jours, nous avons un homme à coucher. C'est un adjudant médecin-major. Incroyable. Incroyable. Parce que là, on est en 39. Ah, sacré... Donc, il commence à mettre des troupes, je ne sais pas. Sacré période. Je couche avec grand-père. Oh, incroyable. Mais du coup, il était chez ses grands-parents. Il vivait chez ses grands-parents pour aller à l'école à côté de chez ses grands-parents, c'est ça? Ou là, c'était une lettre pendant les vacances? Je pense qu'on l'avait mis... Non, je pense qu'on l'avait mis... Il restait pas à Reims, je ne sais pas. Parce que là, c'est daté... C'est écrit à Chaumont. Chaumont, 21 mars. Cette semaine, nous avons reçu la visite de grand-père. Il ne m'a pas attendu. Il était venu pour acheter 2 cochons qu'on lui vendait 5 francs de moins au kilo qu'ailleurs. Les bonnes affaires. Ils ont tué avec Monsieur Duterque un cochon qui appartenait à celui-ci. Il m'a envoyé de la viande, du boudin. Marie-Louise auparavant avait réclamé ses
Et c'est... J'ai reçu le tien avant-hier. Je les ai tous, sauf celui qu'il y a 3 semaines qui est sans doute arrêté en route. Je n'ai pas reçu de nouvelles de papa, ni de match non plus. As-tu reçu ? Ils sont en bonne santé, m'a dit Marie-Louise. Pas de plus sur un mot qu'elle avait envoyé. Grand-mère nous a envoyé 50 kilos de blé par le gouverneur. Nous avons des nouvelles de Luce. Il nous dit la même chose qu'à toi. Il a essayé d'avoir une permission. Il ne l'a pas eue, mais il compte revenir à Chaumont quand même. Et ça, c'est... Sacrée époque. Ça, c'est 39. Ça devait être quand même mouvementé. À la fois, ça doit être... à la fois mouvementé, tu vois, avec des troupes étrangères en plus de ça qui devait passer. Et à la fois, ça paraît calme. Ah bah, quand c'est tu vois les journées... Ce matin, j'ai été à la messe à 7h, j'ai confessé et communié. Ce soir, nous irons au salut à 8h. Demain, la messe à 7h et au salut. Samedi, la messe à 6h30. Et à Pâques, la messe à 6h30 où je communierai à 11h moins le quart. Mardi, catéchisme à 9h du matin. Tu vois la On a à apprendre le pardon aux parents, qui est long, et les actes de foi, l'humilité, de confiance, d'amour, de désir, de remerciement, d'adoration, d'offrande et de demande. C'est beaucoup. Nous avons un petit carnet que monsieur le doyen nous a donné pour 0,5 qui renferme les prières et les chants pour le jour de la première communion, vêpres, lundi, etc. Ici, le temps est à la pluie, la semaine sainte n'est pas belle. À part lundi où l'on a eu chaud, ce n'est que pluie, quelques bourrasques de vent, etc. Il fait clair jusqu'à 7h30. C'est vrai que ça a l'air, quand tu lis ça, ça a l'air très... des semaines très paisibles. Hein. Oui. Oh. Ici, c'est toujours la même chose. On a toujours les mêmes soldats. Celui qui est chez nous a fait venir sa femme. Génial. Donc, nous avons un habitant de plus. C'est une jolie femme, très jeune et fort gentille, mais frileuse. J'adore. Mais frileuse. Elle mange chez nous à midi et au matin. La cuisine qui est chez nous est maintenant complètement installée. Il y a un soldat dans cette cuisine qui vient tous les soirs. Il me fait réviser mes leçons et regarde mes devoirs. C'est un camarade. Il fait toujours le même temps, désolable. Génial. Et triste. S'il ne pleut pas, il brouille et il y a toujours quelque chose qui nous embête. C'est drôle d'écrire. Il y a toujours quelque chose qui nous embête. Ouais. À 9 ans. La semaine dernière, cela s'est tenu, mais cette semaine, depuis le début, il fait un mauvais temps qui ne cesse jamais. Oh, malgré que c'est midi, il fait encore sombre. Je ne vois plus rien à te dire aujourd'hui. Et en attendant de te voir, grand-mère et grand-père se joignent à moi pour t'embrasser de tout cœur. Mais ça, c'est pour sa maman. Ouais. Non mais, c'est quand même une autre époque. Ah oui. Cher parent, je réponds aujourd'hui à la lettre de maman que nous avons reçue mardi. À l'école, nous avons comme devoir 10 problèmes et 12 devoirs de grammaire. J'ai fait 8 problèmes et tous les devoirs de grammaire. Papa est venu dimanche soir 1h nous dire bonjour. Il était en tournée, il a essayé de les faire. Il a trouvé des résultats dont il n'est pas certain. Il m'a dit de te les donner pour que tu les fasses et que tu me renvoies les résultats le plus tôt possible. Les voilà. La farine absorbe 58% d'eau. Une partie d'eau s'évapore et 118 kg de pâte donne 100 kg de pain. Combien de pain de 500 g fera-t-on avec 157 kg de farine ? 2. Une équipe d'ouvriers fait un travail en 12 jours, un autre en 16 jours. On prend un tiers de la première et 4/5 de la deuxième. Combien de jours de 8 heures fera-t-on le travail ? Je compte sur toi pour me renseigner le plus tôt. Et il envoie avec, a priori, le père qui avait essayé de faire les trucs, mais il n'en est pas sûr. C'est génial quand même. En tout cas, ce qui est une certain, temporalité qui est... c'est que les problèmes du petit mobilisent toute la famille. Ah bah ouais. Et au point ouais. qu'on l'écrive, ouais. et que ça passe l'entièreté de la lettre. Ouais. Oh, trop mignon. J'écris à papa demain car aujourd'hui j'ai nettoyé les poules et les lapins. Ah, quand il parle des
ou des oignons de son grand-père ou des choses comme ça, tu sens qu'il est vraiment en train de faire quelque chose qu'il aime. Ça, c'est clair. Hein. Il adore aider son grand-père à planter les oignons ou des choses comme ça. Il n'a pas pu aller à l'enterrement de son grand-père, a priori. Ah, ça, ça a dû être dur. Ouais. Oh là là, c'est triste. Je ne sais pas ce qui est arrivé à son grand-père. Il envoie une lettre à ses parents et dit « Finalement, qu'avez-vous résolu au sujet de grand-père ? Ce qui lui arrive est bien triste et j'ai l'impression qu'il s'en rend compte. Il y a en lui quelque chose de cassé, on dirait. Donnez-moi de ses nouvelles dès que vous en aurez. » Oui, il a l'air d'aimer de son grand-père. Il demande de ses nouvelles. Oui, beaucoup. Son grand-père et les travaux de la ferme. Mais qui a écrit cette lettre? Trop bizarre. Je vois la phrase « Jean est toujours sans emploi, c'est vous dire. » Je suis désolée pour votre Jean, il faut espérer que cette année sera faite de succès. Alors ça, c'est la Gendarmerie Nationale 6e Légion, Compagnie de la Marne. On est en 34. En exécution des prescriptions de l'article 107 du règlement sur les services intérieurs de la gendarmerie, le chef d'escadron Viard, commandant de la compagnie de gendarmerie de la Marne, adresse ses félicitations écrites au gendarme Baudrillard Marius, son père, des brigades de Reims pour le motif suivant. Grâce à d'actives et intelligentes recherches, le gendarme Baudrillard est parvenu à identifier et à arrêter très rapidement deux jeunes vauriens auteurs d'un cambriolage et de plusieurs vols. Génial. On est dans un autre monde. Hein, quand deux même, jeunes hein. vauriens. Deux jeunes vauriens. Deux jeunes vauriens. On est dans un autre C'est monde. C'est clair. C'est fascinant, je trouve, ouais. de regarder des... Oui, c'est les mots, les ouais. mots, les situations. Incroyable. On parlait des choses... C'est amusant, d'ailleurs, ces lettres-là, parce qu'on parlait de choses pratiques, matérielles. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu n'as pas ça? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as chaud? Je parlerai du voyage comme d'un vieux souvenir déjà, avec un peu du feu vert. Car tant de nouvelles choses se chevauchant s'effacent l'une l'autre dans la mémoire. Oh donc là, on a quel âge? 47. On a... Wow. Ah ouais. Non, on a... 47, il est né en 29, il a 16 ans. C'est ça, il est né en 29. 47, il a 17 ans. 17 ans. C'est vraiment, on dirait Flaubert, écrivant à Maxime Ducamp. La première nuit sur la tente s'est révélée très convenable. Mais c'était une tente assez longue à monter. Incroyable. Ça, c'est sûr que ce n'est pas les tentes d'aujourd'hui. Hein. Aussi, depuis ce temps, couchons-nous dans les granges, qu'on trouve très facilement, car les gens n'ont pas le courage de la refuser. Oh, génial. C'était vraiment une autre vie. Hein. Les gens n'ont pas le courage de la refuser, bah dis donc. Ouais. Et dormir dans une grange. Ouais. Qu'importe des granges dans lesquelles on peut dormir. Nous vivons depuis 3 jours de pain blanc sans ticket. Curieux naturel de ces gens-là, il arrive à Riedingen. Curieux naturel de ces gens-là, ce n'est absolument pas de l'hypocrisie, c'est de la bonté, du raffinement, mais en même temps, ça a quelque chose de désagréable, parce que nous ne pouvons absolument pas le comprendre. Et moi, j'ai une carte super. Départ 8h20, Chalon 11h30, Vitry 11h45, Saint-Dizier 15h20, Joinville 17h35, Campon à Rupt à côté de Joinville, départ 8h20, Chaumont 9h30, Langres 12h20, Dijon 16h30, putain, le chef tout de va gare. Bien, meilleur baiser, Jean. Génial. Chef de gare, avec la photo de Dijon. Génial. Ça, c'est quand même de la précision. Ouais. Tu vois. Il a pas l'air très patient. c'est parce que par exemple il y a beaucoup de trucs sur les choses un peu longues, par exemple mon retour s'est très bien passé, s'est très bien effectué dimanche soir, sinon que l'autorail était bondé et qu'il s'arrête partout jusqu'aux plus petites gares, ce qui n'est pas drôle. Donc on sent un certain énervement. Oui. À l'internat, qu'est-ce que c'est que cet internat? C'est quand il était à Sceaux. Ça fait une semaine que je vous ai dit. Ah ben ça, il était pion.
Ça doit être ça, hein. Alors, attends. En tout cas, on est très bien nourri. Une viande excellente, c'est rare à l'internat. Une abondance de plats est bien préparée. Beaucoup mieux qu'à la canale. Ah, c'est un autre. Mmh. C'est une bonne chose à l'actif. Une autre est la souplesse et l'indulgence de l'administration. On nous a installé de lampes, étagères, toujours pas de lavabo. C'est cela le plus agaçant. Je ne peux évidemment pas travailler dans une chambre à 6. Je me suis inscrit à la bibliothèque, très bien installée, avec une bonne salle de lecture. J'y vais travailler en dehors des heures d'études et de dortoir, où j'ai le calme complet, car les élèves sont peu turbulents. J'ai retrouvé ici un stage qui a déjà fait... Bon, je ne comprends plus. En tout cas, le monde a bien changé. Hein. Ouais, ça fait... Ça donne... En fait, ça donne un sentiment de quelque chose de paisible. La vigne vierge doit être toute rouge et la campagne déjà froide autour d'Assy. Il est minuit maintenant et je vais me coucher. C'est beau. Ouais. C'est marrant, il parle quand même beaucoup du temps. Oui, tout à fait. Ah oui, 57, la canale. Je vous écris pour l'instant de la loge du concierge où je joue son rôle. En effet, il y a aujourd'hui une grève générale des agents du lycée, concierge, cuisinier, etc. Cela crée un désordre plus ou moins grand et les maîtres, au fait, ont été réquisitionnés pour l'aventure, l'ouverture des portes. Donc, je tire le cordon de temps à autre, j'ouvre et ferme les portes. C'est pas très folichon. Tu sens que ça commençait à se... déglinguer tout petit. C'est vrai qu'il est beaucoup mais question du temps. Un tel bonheur d'attendre d'avoir des nouvelles. C'est ça. Mais cela dit, on l'a connu nous aussi. Enfin, moi, que je me sens quand on était petit. Centre de chèque. Ah oui, il était. Ah oui, c'est ce que tu disais. Il était au lycée La Canale de Sceaux. Il était parti en internat, genre. De Sceaux. Ouais, c'est ben ça. Sceaux Seine, intendant du lycée La Canale Sceaux. Non, mais là, il était pion, c'est ça. Ah, ok. Pendant ses études. C'est trop mignon. Bon, là, il raconte tous ses examens, qu'il passe le français le 7 et après le mai. Pour le linge, je ferai en effet un petit colis pour Madame Lejean, mercredi, 5 chemises, 3 slips, dont un dont le caoutchouc est était détendu et que je ne peux pas mettre. C'est trop mignon. La chemisette est un peu tachée de café, ainsi qu'un slip. J'espère que ça partira au lavage. J'ai reçu ce matin votre lettre et j'y réponds de suite en vous donnant quelques détails sur l'entrée en fonction. À propos de la question intérimaire, cela est beaucoup mieux que suppléant. Je suis payée pendant les vacances et cela signifie que l'on ne peut pas me changer à volonté. J'ai donc pris position au collège. Je pense que ça, c'est le fameux collège où il est pion. J'ai déménagé de lycée où je travaillais ces jours derniers. J'ai bien fait d'en profiter parce qu'ici, on ne m'a installé la lumière qu'hier et encore pas partout. Des courants d'air dans tous les sens, confort absolument nul. Et le pire, vu l'origine des bâtiments disponibles, pas une chambre personnelle. À 6 dans une chambre, pour travailler, c'est peu encourageant. Alors, nous nous servons des lavabos des élèves, et qui sont à 75 cm, non, qui sont à 75 mètres de la chambre. Tout est ouvert, couvert de poussière, d'échafaudage, un vrai Capharnaüm, un vrai lycée de Bohème. La confusion est telle avec 1500 élèves, dont 350 internes là-dedans, qu'il y a de quoi rire. Nous ne sommes encore que 10 mètres d'internat. Pour l'instant, nous ne faisons qu'un rudiment de service provisoire. J'ai fait 2 dortoirs déjà avec 70 élèves. Peut-être tout va se déblayer. La nourriture est toujours variable, comme la température. L'autre jour, tout le lycée a eu la colique, vraisemblablement à cause d'une sauce tomate un peu faisandée. Parfois, c'est bon. Là, j'ai un truc fou, hein. Chers parents, je sais très bien que le vœu des parents a toujours été que leur enfant menace à vie le plus sûrement, le plus
souligné, moyennement possible. C'est aussi votre logique. Ça ne peut pas être la mienne. Comprenez donc qu'il m'est déjà beaucoup que vous ne m'en vouliez pas, mais que si vous me soutenez avec cette insistance, j'aurai l'impression de me faire entretenir. Car ce que je fais ici ne peut avoir aucun résultat matériel, et cela me rendra la vie possible, bientôt impossible. Ceci dit, franchement et en toute intention, je tiens à ce que vous cessiez les colis. C'est à moi seule de soutenir ce que j'ai voulu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement, comme dit maman, entre guillemets, être résolu. Je ne suis pas en villégiature à vos dépens. Je vous remercie de tout cœur du mandat et d'étiquette dont j'ai largement pour le mois. Je suis encore ici au moins cette semaine puisque j'ai assez d'argent et je ne tiens pas à thésauriser. Nous avons toujours le même beau temps. Les gens du pays disent même que c'est exceptionnel. En tout cas, ça l'est pour moi. Ça, je pense que c'est parce que tu sais que donc tous ses maîtres l'avaient aidé à arriver à Henri IV. Et à Henri IV, il y est resté une année. Et puis il s'est dit, ça ne peut pas être ça l'intelligence. Et là, il s'est barré. Bon, tout le monde l'avait aidé à arriver jusque là, le petit bonhomme d'Assis, des Ardennes, de machin, pendant lequel il avait traversé la guerre et tout et tout. Il arrive à Henri IV, il reste un an, très bon résultat, et il se barre. Et il va faire du béton, il se fait un 4 Mordou à Arles. Ah bah c'est ça, Arles, le 11 février. Voilà, 28. Et là, il fait du ciment, du béton, etc., etc. Ses parents envoient des colis, des machins, des trucs comme ça. Il veut pas dépendre de qui que ce soit. Et il leur écrit cette lettre-là. Wow. Et il conclut, « Soyez tranquille, je ne suis pas au point de Van Gogh, quoiqu'il serait fort à désirer de faire ce qu'il a fait. » Oh, magnifique. Tu vois, c'est déjà... Incroyable. C'est des êtres qui... Quel âge? Ben écoute, à quel âge on arrive? Ah bah à... oui, on a même pas 20 ans. On a pas 20 ans. 18 ans, 19 ans. Incroyable, tout seul comme ça. Ah ouais, tout seul. Tout seul, ils ne voulant pas qu'on l'aide. Être résolu. Je ne tiens pas à thésauriser. À cette époque-là, ils ne vivaient que de dattes. Ils ne mangeaient que des dattes. Et ses parents, ils sont morts quand? Alors, sa maman, elle est morte assez âgée. Parce que... Mais son père, je ne l'ai pas connu. Hein. Mm. Mais sa maman, oui. Ah, mais là, j'ai encore un autre témoignage. Donc, elle a connu Baudrillard étant Baudrillard. Absolument. Ah, d'accord. Absolument. Je ne veux pas tenter... Ah, mais c'est fou. Je ne veux pas tenter de vous raconter ce qui m'arrive. Je suis partie du lycée Henri IV le dimanche 18. Ce n'est évidemment pas l'envie de ne rien faire qui m'a passée. La vie sera beaucoup plus dure, je le sais. Je ne compte pas sur vous. Je ne vous serai plus une charge. Je cherche simplement un tout petit peu plus d'héroïsme qu'il y en a dans votre vie et dans celle que vous vouliez me faire en toute justice selon la vôtre. Votre gosse est devenu définitivement fou. J'aime mieux qu'on mette ça sur la folie, mais c'est autre chose. Aucune ingratitude chez moi, ne m'en voulez pas. C'est trop lâche ici, c'est trop lâche à Reims. J'ai perdu un trimestre à me demander si j'avais le droit de vous faire ça. Maintenant, je suis sûre de moi. Pour une vocation religieuse, on quitte tout. C'est la même chose sans Dieu. Je ne regrette rien. Soyez assez fort pour ne rien regretter. Je vous embrasse plus fort que jamais. Tu t'aperçois qu'en définitive, tu nais, Baudrillard. Non ? A priori, ouais. Parce que tu vois, une petite maman toute douce, toute... aimante, un père gendarme avec lequel ça a bien... Et puis voilà, tu mènes ta vie. Ouais. Avec un tout petit peu plus d'héroïsme. Oui. Pas une vie moyenne. Ouais. Mais pour ça, mais il faut temps, être intransigeant, quoi, avec soi-même. Avec les autres, donc, mais avec soi-même. J'aime et bien c'était quelqu'un d'intransigeant avec lui-même. J'aime bien la comparaison avec les gens qui rentrent... qui quitte tout pour Dieu, mais sans Dieu. Sans Dieu. C'est génial. C'est génial. Oui. Mais il y a des trucs, là, tout à l'heure, tu lisais un truc qui faisait penser au Cool Memories, un truc quand il était petit, où il disait, il est midi et il fait encore sombre, on dirait oui, que oui. Je sais pas quoi, mais c'est incroyable, parce qu'il est, déjà, il y a Jean, il est déjà là-dedans, ouais, hein, ouais. C'est pour ça que je pense qu'on est comme ça. Peut-être, ouais.
quasiment bon. Après, ça prend des tournures différentes selon ton parcours. Ouais. Mais bon, tout est là, quoi. Et du coup, sa mère, il était en contact avec elle après quand... Ah oui, alors... ça a été quoi, sa réception de son parcours? Elle n'a pas changé du tout. C'était une petite personne. Et sa mère, jusqu'au bout, il est allé quasiment passer tout le dimanche ou le samedi, je ne sais plus, avec elle. Ah ouais, tous les dimanches, absolument, absolument. Et il allait la voir, il prenait son vélo. Bon. Et la chose que je voulais raconter, c'est que de temps en temps, alors puis sa maman est décédée, et voilà, on a vidé la maison, etc. Et puis, Jean, le matin, quand on était au moulin, c'était un très bel endroit, dans un petit truc très sympa dans la forêt de Compiègne. De temps en temps, il me disait, bon, je vais faire un tour. Et il allait mettre des fleurs sur la tombe de sa mère, alors qu'il ne croyait pas du tout à la vie après la mort. C'était drôle, ça, hein? Je ne savais pas du tout qui était. Et moi, je me demandais ce que ça pouvait représenter d'aller mettre des fleurs sur la tombe de sa mère. Et elle s'appelait comment, sa mère? Son prénom, c'était quoi? Raymonde, je crois. Elle était très, très douce, très... Et elle ne lui parlait pas du tout de ses livres? Ah non, non, non. Et elle, c'était quoi son métier? Postière. Oh, hein. Et jusqu'à la fin, Jean, il a eu qu'un compte en banque, c'était à la banque des postes. Oh là 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 là, parce que c'est rigolo ça, quand tu penses. Mm. Tu pars de rien. Hein. Mais c'est dingue parce qu'il y a plusieurs textes dans lesquels justement il parle de coupure. On a l'impression qu'il a coupé avec une partie de sa vie, surtout dans les Pool Memories où je sais pas comment il le dit, mais dans les entretiens aussi, des moments où il raconte qu'il y a eu une coupure à un moment dans sa vie, enfin à plusieurs moments d'ailleurs, et qu'une fois que la coupure est faite, tout le reste s'efface. Enfin voilà. Et du coup, ça donne l'impression que ses parents sont dans le... Enfin, en lisant, ça donne l'impression que ses parents sont dans l'eau de ce qui a été coupé. Je crois qu'il l'a fait avec son père. Je crois qu'il y a eu un clash, mais moi j'existais pas à ce moment-là, mais je crois qu'il y a eu un clash très violent avec son père. Mais du coup, on n'imagine pas du tout en lisant, enfin là, en lisant les entretiens, etc., que en fait, il était proche de sa mère toute sa vie. Voilà. On n'imagine pas une seule seconde. Toute sa vie. Parce qu'il y a vraiment ce récit de rupture. Et c'était très séparé. C'est-à-dire que de sa mère, il parlait à personne. Mmh. Hein. Mmh. Ah, bah c'est dingue, hein. S'il allait la voir tous les dimanches? Quasiment. Incroyable. En bolide, avec ses voitures qui roulaient vite. En bolide et vélo.